Donc une fois que vous avez utilisé votre palette, voilà, donc là on va commencer à réaliser le fond. Donc j'ai préparé des morceaux d'éponge comme ça, voilà. Des petits morceaux d'éponge, comme les enfants, vous savez, quand ils font leur peinture en tapotant dessus. Donc là, c'est pareil. Donc on va utiliser chaque éponge et chaque couleur différente. Voilà, donc on va les mouiller un peu à l'avance. Voilà, vous mouillez un peu les éponges. Je vais tous les mouiller en même temps. Et puis là... voilà, donc que vous avez préparé. Donc je vais prendre une éponge, voilà. Et puis là, ben, on va commencer à réaliser nos mélanges de fond. Voilà, donc je vais faire, hop, je vais enlever la photo que j'ai plus besoin. Donc je réexplique pour le portrait. J'ai enduit deux gessos, hein. J'ai enduit deux gessos à l'avance pour protéger le tableau. Donc vous laissez sécher dans les environs de 30 minutes avec le sèche-cheveux tiède, ou alors vous laissez sécher à l'air libre à environ une heure. Et puis après, j'ai dessiné au crayon, à papier, HB, pour la réalisation du portrait. Voilà, donc ben pour les personnes qui savent dessiner, tant mieux. Pour les personnes qui ne savent pas encore dessiner, je réaliserai des cours de dessin pour les portraits d'après photo. Voilà, donc je vous invite à visiter un autre cours de dessin pour réaliser le portrait à l'avance. Voilà, donc une fois que le portrait est terminé, est dessiné, donc je commence par le fond. Donc on va mettre on va faire du bleu, allez, et on tape comme ça, tout simplement. Alors, on va faire du plus clair au plus foncé, hein. Ou du plus foncé au plus clair. Puis là, vous pouvez n'hésitez pas à mélanger vos couleurs de dégradé, hein. Voilà, et on tape dessus. Puis là, hop, je mélange avec du vert, hop, voilà. Donc ça marine bien, donc faut suivre le rythme du dégradé de couleur au départ. Puis là, vous pouvez le faire aussi autour du tableau. Voilà. Hop, voilà. Au fur et à mesure, vous faites le contour du tableau. Et on tape. Et voilà, ça donne, ça fait des jolis mélanges, tout ça. Alors si vous dépassez un peu le portrait, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas grave. Voilà, et là, hop, je change de couleur et puis je vais faire du beige de ce côté. Allez, on va faire du beige clair et on tape comme ça, voilà. Les bords.
en superposant sur le vert, sur les le bleu. Hein, on les superpose. Ça donne des petits effets sympathiques. Donc là, pareil, hop. On fait le contour. Voilà. Toujours le même beige. Hein. Et puis là, vous pouvez mélanger avec du jaune ocre. En tapotant, on va faire des jolis effets couleur ocre là. Et on fait le tour. Boum, boum, boum. Des effets. Vous voyez, faire le dégradé. Voilà, n'hésitez pas à vous mettre debout et regarder un peu les bords. Et puis là, je rajoute mon beige clair. Et ça fait un petit dégradé comme ça. Sympathique, tout ça. Voilà, donc on fait déjà le tour du portrait. Là, pareil, je rajoute du jaune, hop, dessus, dans le dégradé. Et puis là, hop, je rechange de couleur et je vais mettre du... Je reprends une éponge que je vais faire avec le bleu dessus. Pareil. Les couleurs qui se mélangent entre elles. Regardez, ça fait joli. J'adore le fond. Ah, voilà, le joli bleu avec le jaune ocre. Simplement. Tape. Donc si ça dépasse, c'est pas grave. Hein. Allez, on fait cet effet-là. Ah, je continue avec mon bleu ciel. Un petit coin de bleu ciel. L'avantage, c'est que en fait la toile, faut qu'elle soit bien tendue pour pouvoir travailler dessus. Hein. N'hésitez pas à tendre votre tableau. Derrière quoi. Puis là, voilà, vous tapez, vous faites des petits cercles comme ça. Ça donne des dégradés, des reliefs et des jolis mélanges. Et on n'oublie pas les contours. Très important du tableau, de la toile. Voilà, ça donne comme ça. Je ne sais pas si je vais vous montrer là les bordures. Voilà, donc n'hésitez pas à peindre
les bordures du tableau avec en même temps. La personne n'a pas envie que je lui fasse l'encadrement. En noir, donc. Voilà, donc je réalise le contour comme ça. Vous voyez? Voilà. Et puis ça retravaille avec ce joli bleu. Et puis là, on va retravailler le vert. Le vert. Tac. Une fois que le bleu. Ah ben non, j'aurais dû mettre ma couleur, c'est pas grave. Et puis là, on tape pareil vers des dégradés et on travaille tout ça. Après, tous les mouvements vont se faire tout seuls. Voilà. Là, on va faire un joli vert, on va rajouter du vert, puis comme ça travaille un peu les mélanges de tout ça. Pareil, là, hop, les mélanges. Par-dessus, il y a l'avantage, la peinture acrylique sèche très vite et on peut rajouter les couleurs par-dessus. C'est l'avantage. Donc là, on va rechanger encore d'éponge que je vais faire. Bon. Hop. Ah ben on va rajouter ce vert là que j'ai pas mis. Hop, voilà. Que j'ai pas mis de ce côté. J'insiste bien les bords. Hop. Alors, si vous voyez pas bien, mais vous décalez le tableau. Vous voyez les bords. Hop, je le prends, hein, puis vous faites vos bords comme ça, à mesure. Voilà. Et puis là, hop, voilà, on va utiliser je vais rajouter du vert aussi, du vert clair que je n'avais pas fait. Puis là, on s'amuse à faire des jolis dégradés hein, qui se mélangent entre eux, comme ça. Voilà. Là, faut faire très rapidement parce que ça donne un joli effet de lumière tout ça. Et là c'est pareil, je peux faire un vert entre. Voilà. Puis là je vais reprendre mon beige, hop, l'autre éponge et on va mettre du beige. Pareil.
Donc après, vous pouvez l'éclaircir. Hein. Vous pouvez jouer avec le blanc aussi. Hein. Regardez. Ça éclaircit aussi hein, avec le blanc. Et on passe par-dessus. Hop, une pointe de blanc. Et on fait le petit dégradé. Comme ça. Au fur et à mesure, voilà. Les bords. Tac. En général, c'est très rapide, hein, les fonds. Avec l'éponge. Ça donne des jolis résultats. Ah, j'ai oublié de vous expliquer. Pour la période d'été, comme la peinture sèche très vite, donc je vous conseille vivement d'arroser de temps en temps votre palette avec un arrosoir que vous trouvez. Puis là, vous aspergez. Ça évite que ça sèche. En mouillant quoi, juste un petit peu. Hein, vous le mettez à plat et puis vous aspergez l'eau. C'est pour éviter que ça sèche très vite. Donc c'est pour ça que je mets aussi en petite quantité. Hein. Puis n'hésitez pas à remettre par-dessus. Voilà, donc on tape. On avait mis... oui. D'accord, donc non, je me suis trompée. On va prendre le beige. Voilà, on en était au beige. Je continue. Là, ça donne un joli dégradé de vert. Hein? Ça prend beaucoup de peinture, hein, l'éponge. Donc, c'est pour ça, mettez bien à l'avance. Donc là, hop, on en met par-dessus. Voilà. Et puis je vais rajouter un peu de l'ocre. Hop, pour donner de la lumière au tableau. Tac. Voilà, donc ça donne un joli effet, hein, tout ça. Les bords en même temps. On tape, hein? Vous tapez, vous tapez. Pour éviter les bavures, donc n'hésitez pas à éclaircir à la suite pour faire des jolis dégradés de blanc aussi pour donner un effet de lumière. Et là, je rajoute du blanc, hop, et on tape, ça donne des jolis mélanges. Peu de blanc là, c'est bien. Voilà, tac. Voilà. Et puis là, pareil, même côté, on va faire la même chose. Ah, vous voyez, ça prend énorme. Oh,
Ah, je vais prendre un autre. Vous voyez, j'ai touché avec du bleu. Alors, il faut à tout prix changer de d'éponge. Vous reprenez une nouvelle. Voilà. On reprend une nouvelle. Et hop, et c'est parti. J'ai un peu mouillé pour en avoir assez. Oh, ça vire un peu au jaune. Bon, c'est pas grave parce que ça c'est joli aussi. Hein. Tac, on va mettre du blanc. Voilà. Vous recomposez vos couleurs. Hein. Même avec l'éponge, c'est pas grave. Et on mélange tout ça. Joli beige clair, tout ça. On fait les bords. Les bords. Pareil, hop, vous reprenez le tableau. On le tourne. Je vous le tourne pour vous montrer les bords. Voilà. Comme haut. Ouais. Là, ça sèche vite. Et on fait le bord. On suit. Tac. Voilà. Tac. Tout simplement. Puis là, on peut faire des mélanges. Et puis là aussi, avec du jaune. Voilà. Simplement. Je rajoute aussi. Comme c'est des tableaux cloutés. Donc j'ai bien enduit du gesso hein, pour les tableaux cloutés à la base. Voilà. Donc là, hop, on va retourner comme ça. Tout simplement. Et puis là, oh. Là, je trouve que c'est un peu foncé, donc vous pouvez l'éclaircir avec le blanc. Donc vous reprenez l'éponge que vous avez utilisée du beige, puis on va éclaircir un peu le dégradé avec le blanc. Juste un peu, ça va éclaircir un peu, mais c'est pas grave. On va essayer d'éclaircir un peu ce côté-là. Voilà. Là, je vais mettre un peu de blanc également ce côté, juste un peu faire les dégradés entre. Voilà, juste une pointe pour adoucir le tableau. Et on peut en rajouter dessus hein, le blanc sur la base. Alors je l'éclaircis en fait le fond parce que après nous allons utiliser du papier à bulles dans les tons de vert, pareil, bleu et du jaune ocre par-dessus, mais ça sera un peu plus foncé. Voilà, pour faire ressortir les couleurs et les reliefs, tout simplement. C'est pour ça que j'adoucis un peu enfin je fais un peu les contrastes. Avec du blanc, un peu, on éclaircit un peu tout ça. Après, j'ai choisi du beige parce que la jeune fille, elle a des couleurs, les couleurs, il faut se fier
Quand vous faites le fond du tableau, fiez-vous aux couleurs des yeux. Voilà. Donc, inspirez-vous sur les couleurs des yeux pour faire la couleur du fond. Donc, la dame, elle a des yeux marron, vert, noisette. Donc là, c'est pour ça que j'ai utilisé du beige, du vert. Voilà. Pour faire ressortir les yeux. Simplement. Ah, c'est tout un travail d'observation. Et puis là, je peux faire des petits mouvements blancs, hein, faire des jolis reliefs aussi, éclaircir tout ça. Voilà. On travaille avec le blanc. Ah, ça donne bien tout ça. Voilà. Là, je vais rajouter une pointe de bleu et de vert encore. Je vais utiliser le vert clair, vert bleuté. Je vais en mettre aussi des deux côtés. Parce qu'il y a la robe qui va être rouge. Donc ça marine bien tout ça. Et on met du bleu et du vert par-dessus. Voilà, ça fait des jolis. Mélange. Hop. Puis après, le tableau est presque terminé, hein. Et puis là, pareil, hop, on rajoute du vert par-dessus. Tac, on tape, on en laisse une partie de marron et on repasse avec du vert et on travaille tout ça. N'hésitez pas à tenir votre tableau. Ah, ça travaille, hein, toutes ces couleurs-là. On essaie de les mélanger entre elles, hein. Voilà, c'est pas grave hein, si vous dépassez un peu. Voilà. Je vais vous montrer le premier tableau que j'avais fait qui va avec celui-ci. Parce que celui-ci, c'est la maman et j'avais fait la fille également. Donc, du temps que ça sèche, je vais vous montrer. Le rendu du premier tableau. Ça fait un tableau comme ça. Hein. Vous voyez? Voilà. Donc je vous montre. Vous voyez les mélanges qui concordent ensemble. Voilà. Pareil hein, avec sur le thème de la femme berbère. Vous voyez un peu les mélanges et puis j'ai rajouté avec du papier à bulles des tons foncés. Voilà, donc vous voyez bien que c'est à peu près identique que celui-là, qu'elle voudrait le même. Je regarde un peu les mélanges. Voilà, ça concorde tout ça. Voilà, donc je vais le remettre à sa place. Voilà, donc toujours à l'éponge, hein, on travaille puis on va remettre encore du vert. Pareil, je reprends le vert. Voilà, et on fait des petits
Voilà, des petites taches mouchetées comme ça là. Voilà, donc c'est vrai que la peinture sèche très vite. Donc on va rajouter un peu de blanc pour éclaircir également cette partie-là. Et on tape. On tape doucement, hein, pour éviter de déchirer la toile. Du blanc pour finir. Alors voilà, donc on continue avec des pointes de blanc, des petites pour éclaircir tout ça. Pareil là. Donc je vais vous rajouter encore du... On va mettre du bleu ciel sur les bords. Alors si vous avez un doute pour les éponges, n'hésitez pas à prendre un autre. On mouille un peu et on fait le bleu ciel. Donc je reprends du blanc, hop, comme j'en ai plus, une pointe de bleu ciel, et on mélange tout ça, et avec du vert clair, voilà, ça donne un joli bleu. Et puis là pareil, on va faire ce côté. Alors, joli mélange de bleu par dessus. Voilà. Tac. Tac. Puis là, hop, on met du blanc et on éclaircit tout ça. Faire le dégradé, on mélange avec le blanc dessus pour éclaircir. On va voir du tableau. On tape doucement. Et puis vous rejoignez les autres couleurs que vous avez fait. Voilà. Simplement. J'aime bien. J'aime bien ce bleu-là. Bleu ciel. Et vert. Voilà. Je pense que c'est terminé. Et on va rajouter encore un peu de bleu ce côté par-dessus. Hop. Tac.
regarder mon venant. Ah, monsieur, avec mon collègue de bleu à côté. Voilà, tout en laissant le beige. Voilà. Voilà. Je pense qu'on est bon. Voilà. C'est bon. Tout est fini. Donc n'hésitez pas à faire encore au contour. Tout simplement. Voilà, donc je vous dis à la prochaine étape pour la réalisation du visage pour les mélanges de la couleur de la peau, de la couleur chair. Merci beaucoup, à tout de suite.